bien là-dessus. Hein. Attends, on roule. Bon, les touristes, ça va? Tiens le coup, ça va? Surtout buvez, et buvez beaucoup d'eau. Alors, c'est bon le Caléo? Merveille, mec. Il est pas frais le mien? Ouais, c'est top. Dans la glacière. C'est top.
battable, ça. Putain, c'est extraordinaire. Dans le M, là, dans la plus haut. Dans le D du M. Voilà. On remarque là, c'est encore plus joli. Hein. Il n'y a pas le. On surplombe les terres sacrées de Monument de Vallée. On est sur la même route que celle que avait empruntée Forrest Gump dans sa course fantastique. C'est d'ailleurs là qu'il s'arrête de courir. Et au fond, on voit les monuments les plus importants au Monument de Vallée. On voit les trois sœurs qui sont au fond sur la gauche. On voit Merrick Butte, du nom du chercheur d'or qui a été tué par les Navarros à l'époque parce qu'il cherchait de l'or sur une terre sacrée. Et dans cette vallée, dans ce creux, a été tourné près de 300 ou 400 films de Stagecoach avec John Wayne, puisqu'il était une fois dans l'Ouest. Et ici, ça représente vraiment la terre sacrée des Indiens. On est au milieu d'un territoire gouverné par les Navarros et on trouve à l'intérieur de cette vallée à peu près tout ce qui est nécessaire à la vie. Donc il y a de l'eau, il y a quelques années des antilopes en liberté, ce qu'on appelait les antilopes américaines, qui permettaient d'avoir de la viande. On y avait des moutons, on y plantait du maïs, des melons également, et puis ça permettait d'avoir une vie qui fonctionnait. Il reste encore 8 familles qui vivent en dehors de tout, à l'intérieur du Monument de Vallée, dans les terres sacrées. C'est ces gens-là qu'on va aller voir tout à l'heure. Cameron en réserve Navarro. Mais avant, on doit traverser une grande partie du désert, Marble Canyon, tous les contreforts de Page, du lac Powell. Et on a encore un col à passer avant d'arriver dans le désert. Je pense qu'on va avoir chaud. Hein. Ils annoncent 46-47 degrés cet après-midi.
Ah oui, ça je veux là, bien. Là, c'est mythique, c'est absolument mythique, cette route. On va voir que des choses absolument ravissantes. Et on va passer certainement sur un bled qui s'appelle Otman, qui est un vrai, tu sais, le vrai bled complètement abandonné des hommes. Et normalement, il y a seulement un bar où il y a un groupe de rock'n'roll qui joue régulièrement Route 66. Et ça devrait être bien, théoriquement. Sur le voyage, on a bien rigolé. C'était vraiment super. Non, c'est un voyage qu'il faut absolument faire de toute façon. Et on l'a fait dans les meilleures conditions du monde, et avec des amis, et avec des gens merveilleux comme guide, et voilà. Et surtout avec l'idole.